Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Juanita Chanel. On parle d'astuces santé, beauté et divertissement. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, mais qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous juste là et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Alors, comme vous pouvez le voir au niveau du titre, aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce pour prendre du poids. Alors, l'astuce, ça consiste à quoi? À réaliser une petite bouillie que vous allez prendre tous les jours et vous allez voir le résultat pendant un mois. Alors, vous aurez besoin de grains de riz, vous aurez besoin de soja, des graines de soja, et pour finir, vous aurez besoin de graines de maïs. Séparément l'un après l'autre, vous allez frire ces trois éléments. Alors, comment le faire? Il suffit juste de mettre une marmite sur le feu. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'eau dans cette marmite et que ces éléments ne soient pas mouillés. Ensuite, vous versez tout partout, c'est-à-dire vous prenez premièrement votre soja que vous allez verser dans la marmite et mettre à feu doux. Vous allez remuer cela pendant 30 à 40 minutes afin d'enlever tout ce qui est toxique, tout ce qui est déchet de votre soja et de permettre à votre soja d'être bien sec. Vous allez faire pareil pour les trois autres éléments, c'est-à-dire le maïs et le riz, que vous allez ensuite laisser refroidir. Après, vous mélangez les trois éléments. Donc, si vous avez fait une grande quantité, vous pouvez amener ça au moulin et écraser. Où vous voulez, vous pouvez écraser dans votre mixeur. Donc, si vous voulez, vous allez mixer à la maison ces trois éléments. Donc, vous aurez une farine comme ceci. Concocter votre bouillie que vous allez prendre chaque matin. Si vous voulez aussi, vous pouvez le prendre les soirs. Et vous pouvez ajouter aussi du lait. Donc, c'est ce que ça donne. Donc, c'est ce que je prends tous les matins actuellement. Comme vous pouvez le savoir, j'ai accouché. Ça a bientôt fait 4 mois. Donc, du coup, j'essaye de récupérer. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.